Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite deux chevaux vraiment craquante. Une voiture que je connais depuis un bout de temps, depuis plusieurs années. C'est une deux chevaux ASU, donc une petite fourgonnette de 1963. Pour démarrer, c'est facile. On tourne la clé de contact. À main gauche, on a la tirette de starter qui est cachée sous la planche de bord. On la tire à fond. Et on a la tirette de démarreur qui se cache de l'autre côté sous la tablette là. Donc ça c'est rigolo parce qu'il faut vraiment avoir les deux mains pour démarrer une deux chevaux. C'est une deux chevaux de cette époque. Hop, on enlève le frein à main. On enclenche la première et c'est parti. En quelques mots, je vais essayer de vous refaire la carrière de la deux chevaux fourgonnette. La deux chevaux berline est présentée au public en octobre 48, commercialisée à l'automne 1949. La deux chevaux fourgonnette, elle sort en mars 1951. C'est une voiture qui était vraiment attendue en fait à l'époque sur le marché du petit utilitaire. Elle répondait bien en fait aux attentes des petits artisans, des paysans, des fermiers, des gens qui avaient besoin d'une petite camionnette pour se faufiler en ville, dans les champs, un peu partout et surtout qu'il soit pas cher. Donc en 1951, Citroën sort la deux chevaux AU, donc la deux chevaux A qui signifie moteur 375 cm3, 9 chevaux maximum et U comme utilitaire. Quand Citroën sort la deux chevaux AZ en septembre 54 avec le 425 cm3 de 12 chevaux, 3 chevaux ça paraît pas grand chose mais ça fait quand même beaucoup de différence en fait sur des puissances aussi faibles. L'AU devient l'ASU en fait avec l'adoption de ce nouveau moteur un peu plus puissant et l'AU disparaît du catalogue très rapidement. Après ça on a la carrière de l'ASU qui est lancée et qui va durer en fait jusqu'en 1978. Elle va évoluer avec différents moteurs. Dans un premier temps, donc, comme je vous le disais, septembre 54, elle a un 425 cm3 de 12 chevaux. En février 63, elle adopte le 18 chevaux et son allure s'améliore un peu. En 1972, donc bien d'années plus tard, elle adopte le 435 cm3 qui fait de mémoire 24 chevaux. Et la carrière de l'ASU se termine en 1978. En parallèle de l'ASU, et c'est là que parfois où les gens sont souvent confus, il y a d'autres deux chevaux camionnettes. C'est-à-dire qu'en février 63, il y a l'ASU qui évolue avec le 425 cm3 de 18 chevaux. Et au même moment, il y a la fourgonnette AK, la K350, qui est commercialisée. En gros, c'est la même voiture, sauf qu'elle fait quelques centimètres de plus à l'arrière, donc elle est plus logeable. Et surtout, la grosse différence se situe sous le capot. Elle adopte le moteur 602 cm3 M4 de la Mi 6, qui était sorti en 61. Donc on se retrouve pour la première fois en 1963 avec une deux chevaux équipée d'un 602 cm3 3 chevaux fiscaux, qui fait qu'on a souvent fait cette voiture la 3 chevaux, un peu comme on appelait la Mi 6 la 3 chevaux, mais en fait ces deux voitures avaient la même base mécanique plus ou moins, voilà. Donc à partir de février 63, on a en parallèle l'ASU avec le petit moteur, l'AK avec le plus gros moteur et plus de charge utile. Les deux voitures permettent en fait de toucher plus de clientèle selon le poids à transporter, le budget, etc. etc. Quand on rentre dans les détails, c'est toujours compliqué, mais j'essaie de vous la faire simple. C'est pas simple, hein. J'espère que je vous ai pas perdu. Bref, retenez qu'il y a à partir de 63, il y a l'ASU, il y a l'AK, et des AK, il y en a eu deux différentes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'ASU elle est apparue en septembre 1954 avec l'adoption du moteur 425 cm3 de 12 chevaux. En 1961, un peu après la berline, la deux chevaux fourgonnette adopte le nouveau capot. Elle perd le capot nervuré avec les 23 nervures pour ce modèle beaucoup plus lisse. Cependant, en 61, même si elle adopte le nouveau capot, sur les côtés, la deux chevaux fourgonnette garde en fait la tôle nervurée et n'a pas de vitre latérale. C'est en février 63 en fait que Citroën revoit la gamme de la deux chevaux. Alors c'est assez étonnant, on va encore faire une petite parenthèse, mais en général les années modèles des voitures ça se fait de septembre à septembre, c'est à dire qu'en septembre 54 on a eu le modèle 55 qui apparaît, donc l'ASU apparaît pour le modèle 55 et les constructeurs renouvelaient souvent leur gamme voilà au mois de septembre avec la rentrée scolaire en fait pour présenter les modèles de l'année suivante, voilà. Donc c'est pour ça aussi que parfois on voit des voitures de la fin d'une année et qui sont de l'année modèle de l'année suivante.
Bref, ce qui se passe aussi parfois, c'est que en cours d'année modèle, les gammes étaient remaniées, soit parce qu'ils étaient un peu obligés de le faire à cause de la concurrence externe, mais parfois aussi à cause de problèmes de concurrence interne entre les modèles. Et donc Citroën devait revoir sa gamme. Citroën ne faisait pas vraiment évoluer la 2 chevaux autant qu'il le pouvait. Au contraire, ils essayaient de limiter les évolutions au strict minimum. C'est assez curieux, mais ils cherchaient vraiment à garder la 2 chevaux la moins chère possible, la plus simple possible, et ils la faisaient évoluer seulement vraiment quand il y avait une demande bien spécifique de la clientèle. Si c'était pas obligatoire, Citroën gardait la 2 chevaux grise, la gardait avec un tout petit moteur, sans jamais rien faire. À la fin des années 50, la concurrence devient de plus en plus dure pour la 2 chevaux, et Citroën commence un peu à proposer des couleurs dans la gamme. Avant, elle était disponible qu'en gris. Au bout d'un moment, ils se mettent en fait à proposer des couleurs, et la fourgonnette évolue parallèlement à la berline de manière un peu décalée et avec des évolutions parfois qui lui sont spécifiques. Donc c'est très compliqué. On voit souvent des voitures, des 2 chevaux fourgonnettes restaurées, mal restaurées, mais c'est pas par c'est plus par méconnaissance du sujet en fait, et les informations sont vraiment durs à trouver. Je vais vous montrer quelques exemples. Le plus classique par exemple sur celle-ci, c'est le pare-choc bleu. Et si vous regardez les voitures restaurées, il y a 99% des fourgonnettes des années 60 restaurées ont un pare-choc gris comme la berline, alors que les fourgonnettes des années 60 avait un pare-choc peint couleur caisse. Et celle-ci a son pare-choc d'origine, on peut bien le voir, il a un peu patiné avec son petit jonc aluminium. Et ça, c'est vraiment une particularité qui prouve qu'on a là une voiture authentique et bien préservée. À la fin des années 60, face à la concurrence, Citroën est obligé d'introduire des couleurs, des choses un peu plus fun sur la 2 chevaux. En février 1963, donc en milieu d'année modèle 63, Citroën revoit la gamme 2 chevaux. Je pense que c'est surtout par rapport à la concurrence de la Renault 4 qui commence à se faire sérieusement sentir, et Citroën décide de moderniser la 2 chevaux avec notamment un nouveau moteur. Alors quand je dis nouveau moteur, c'est pas tout à fait vrai, ça reste en fait le 425 cm3 qu'on a connu, mais qui est quand même bien amélioré, avec notamment des nouvelles culasses, une nouvelle pipe d'admission et un carburateur un peu plus gros. Au lieu de faire 12 chevaux, il en fait 18. C'est une amélioration de puissance assez notable quand même, hein. On sent bien la différence à la conduite, il n'y a aucun doute là-dessus. Et par la même occasion, elle adopte aussi le gros pare-choc dont je vous parlais tout à l'heure sur la fourgonnette, comme je vous le disais, peint couleur caisse et avec un jonc aluminium. À signaler aussi qu'à ce moment-là, la fourgonnette est disponible dans 4 couleurs qui lui sont spécifiques. Alors c'est depuis le début des années 60, j'ai plus la date en tête, mais depuis les années 60, la fourgonnette est disponible dans 4 couleurs, et c'est des couleurs spécifiques à la fourgonnette. De mémoire, il y a le jaune pastis, le bleu névé, le vert cacté, et puis il doit aussi y avoir le gris rosé à la même époque qui est aussi disponible. Donc ça fait 4 couleurs, le gris rosé est commun avec les berlines, mais le bleu névé comme ici, c'est vraiment une teinte spécifique à la fourgonnette et qui sera disponible pendant toutes les années 60. Donc je vous disais, février ou mars 63, la 2 chevaux fourgonnette évolue et elle a plus ses côtés tout nervurés. Elle a un panneau lisse avec une glace latérale, et ça change tout, parce que comme je vous le disais dans ma vidéo sur l'ASU, la visibilité de ces fourgonnettes, c'est vraiment pas le point fort. Et là, avec ça, quand on arrive à un stop qui est pas perpendiculaire à la route mais un peu de travers, et ben on a la possibilité quand même de voir quelque chose, et ça, c'est vraiment un plus. À noter aussi que les carreaux arrière à la même date deviennent plus grands. Donc avant février 63, vous devez avoir les petits hublots, les côtés nervurés, pas de glace latérale. Voilà, 63, le 3 quarts arrière de la 2 chevaux fourgonnette est métamorphosé, et les conducteurs devaient bien apprécier cette évolution. A noter aussi que le côté lisse permettait enfin de peindre facilement le nom d'un magasin ou de son entreprise par exemple, ce qui n'était pas le cas avant puisque c'était tout nervuré. Souvent les gens, plutôt que peindre sur les nervures, ils venaient percer des trous, mettre une plaque lisse et ils peignaient enfin leur enseigne là-dessus, quoi. Alors pour le reste, la voiture reste assez identique au niveau châssis, suspension. On a toujours 4 batteurs à inertie, 4 frotteurs. Pas de ligne d'échappement, hein. Enfin, l'échappement sort juste sous la boîte de vitesse, c'est très simple. À l'arrière, on voit toujours les petits poulains, la caractéristique de ces modèles là, qui permettaient parfois d'accrocher des rampes ou de faire un peu office de pare-choc, quoi, voilà. À l'arrière, il y a 2 feux rouges, mais il n'y en a qu'un seul qui fait stop. Elle est restée comme ça, celle-ci, c'est marrant, il n'y a pas le fil qui va
Il y a que un fast-stop, quoi. Vraiment, d'un côté c'est un double filament, d'un côté c'est une ampoule simple filament, c'est rigolo. On sait aussi que c'est pas un modèle 64, parce qu'à partir de 64, il y a la tôle du pavillon là, qui présente deux embouties. Mais en tout cas, ça permet au premier coup d'œil d'identifier un modèle 63 d'un modèle 64. On sait aussi que c'est pas un modèle 65, puisque le modèle 65, lui, en tout cas à partir de décembre 64, adopte des portes avant qu'ils s'ouvrent dans le bon sens, alors que là on a encore des portes suicides. Alors ouais, donc si vous un jour vous voyez une de chauffe fourgonnette de cette époque dans son état d'origine, et bah faites-moi signe, envoyez-moi un message pour me la montrer, parce que vraiment une fourgonnette comme ça, jamais restaurée, bon celle-ci est un peu restaurée, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais en tout cas sa peinture d'origine dans son état d'origine conforme, pas bidouillée, pas modifiée, c'est extrêmement rare. C'est des voitures pas chères, achetés par les artisans qui les utilisaient jusqu'au bout. Donc souvent, en fait, c'était des voitures qui, au bout de 5, 6, 7, 8 ans, finissaient, partaient à la casse. Et c'est vraiment rare que ces utilitaires aient été préservés. Voilà, c'est vraiment très très rare. Et cette voiture, pour vous dire, je l'ai vue la première fois en 2015 sur une manif de deux chevaux. Et j'ai immédiatement flashé dessus, j'ai laissé mes coordonnées au propriétaire, je n'ai jamais eu de nouvelles, mais je l'ai jamais oublié. Et donc j'ai plus de nouvelles après 2015 de cette voiture, et jusqu'à l'an dernier, quand un copain en fait m'a dit avoir acheté une Azud 63 Bleu Névé, et j'ai tout de suite su laquelle c'était, parce que simplement, des deux chevaux, des Azud 63 Bleu Névé, et ben en 15-20 ans, je n'avais vu qu'une seule, quoi. Malheureusement, elle avait été plus ou moins retapée par un précédent propriétaire. Il avait confié cette voiture à un garage pro, a priori réputé pour changer les planchers. Et ça a été massacré, voilà. Ça tenait plus par le mastic que par les soudures. Et j'ai acheté cette voiture avec donc des planchers dégueulasses. Un travail qu'il aurait mieux fallu ne jamais faire, quoi. Et je l'ai confié à l'atelier du mortier, à mon ami Louis du mortier, qui a un petit atelier de carrosserie et qui est bien 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 connaisseur en deux chevaux, qui fait du très bon boulot. Et donc il a changé les planchers, il a dû en mettre des autres de meilleure qualité, il les a soudés correctement, il a dû refaire voilà pas mal de petites pièces pour que tout se monte bien. Il a dû changer aussi les bas de caisse. Et cette fois-ci, ça y est, on a une voiture qui est saine, conforme, et qui a su quand même garder sa patine. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Hop. Alors quand vous achetez une deux chevaux, hein, je vous l'ai déjà expliqué, il faut regarder les planchers. Alors évidemment ici, maintenant, là, déjà on voit que c'est tout propre, le bas de caisse est bien. Si on met la main en dessous, là, on sent que bah, c'est neuf. Hop. Et là, voilà. Je vous laisse admirer le travail, c'est beau, c'est bien fait, c'est propre. C'est soudé par points, c'est pas une magouille avec des rivets, de la fibre, on est loin de tout ça. C'est vraiment fait dans les règles de l'art. La voiture a encore ses garnitures, là, vous pouvez voir dans la planche de bord, c'est toutes les garnitures d'origine. Elle a bien son clignotant avec le petit levier au milieu, voilà, le petit volant en métal. Alors j'ai dû remplacer la sellerie parce que la sellerie qui était dedans, alors je sais pas si c'était de l'origine, en tout cas elle était arrivée au bout. C'est quand même une sellerie fragile, elle était sale, elle était déchirée, ça mettait pas la voiture en valeur. Je l'ai montée simplement sur les structures avec la patine. Alors c'est un peu un mélange de pièces neuves, de restauration et de pièces patinées, mais je trouve que quand même que l'ensemble est cohérent. On a une voiture qui a du charme. De l'autre côté c'est pareil, quand on soulève le tapis, on a un très beau plancher, ça c'est chouette. Pour l'occasion, tout le dessous de la caisse a été repeint, et aussi le plancher arrière. Alors c'est bien le plancher arrière d'origine, on voit qu'il a des petits défauts, mais il y avait dû avoir une plaque par-dessus et il avait corrodé sur le dessus, ça faisait pas beau, donc on a remis une couche de peinture dessus, ça se voit un peu, mais bon, avec le temps ça va s'user aussi, on verra un peu moins le raccord. On est sur une voiture qui a un peu de vécu, il y a des petites bosses, des choses comme ça, mais on est sur une voiture super saine et ça c'est l'important. Les portes ont été remplacées les deux. Alors pas par moi, ça avait été fait avant. Elles avaient pris des coups, elles s'étaient ouvertes en roulant. Comme les bas de caisse ont été repeints, l'ajout d'ailes aussi, il y a les ailes avant aussi qui ont dû reprendre un coup de peinture à une époque. On voit différentes teintes, ça me gêne un peu, mais malheureusement parfois que le vécu des voitures c'est comme ça. C'est vrai que j'ai voulu après encore améliorer cette peinture des tôles d'auvent pour que ça se fonde mieux, mais on a vraiment une aile qui a un bleu, l'ajout d'aile en peinture d'origine, la porte peinte par quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Bon, parfois vaut mieux pas trop se casser la tête. J'ai fait un bon lustrage. Je pense qu'on a un résultat qui est quand même correct, même si j'aurais aimé avoir cette tôle d'auvent un peu mieux fondue dans le reste de la voiture. Alors évidemment, on a laissé, il y a quelques petites marques d'usure sur l'aile avant, une bosse sur le capot, les feux patinés, mais ça c'est charmant. Regardez la patine ici aussi, très mignon.
Voilà, il y a des petites marques d'usure, mais c'est ce qui fait un peu tout le charme de ces voitures authentiques, qui n'a rien à voir avec les voitures restaurées, surrestaurées, avec des pièces qui ont de mauvaise qualité, etc. Les roues, elle a ses 4 roues d'origine, et ça c'est vraiment, vraiment très chouette. À partir de juin 64, les roues de la 2 chevaux sont modifiées pour être montées en tubeless, donc sans chambre à air. Alors que celle-ci a bien ses roues d'origine, on le voit, en fait ça se voit au petit rebord, à l'absence aussi de rainures ici, caractéristique des roues tubeless. Alors c'est des pneus tout neufs que j'ai mis, donc des pneus Michelin X125, avec une chambre à air neuve dedans aussi. Et les roues, elles n'avaient pas une jolie patine, elles étaient toutes un peu dépareillées, enfin patinées différemment, donc je les ai confiées à mon voisin la MB Seticoto qui m'a encore fait du très bon boulot. Les roues sont micro-billées, apprêtées en peinture époxy et peinture finale en gris rosé comme à l'origine, voilà. Et ça fait très sympa. Alors évidemment les roues ont l'air un peu toutes neuves par rapport au reste de la voiture, mais c'est pas choquant, et puis au moins on voit qu'on a affaire à une voiture propre, bien chaussée, et ça pour moi c'est vraiment un truc important. Alors évidemment cette histoire de roue non tubeless, c'est un truc que personne ne verra jamais, mais moi c'est les détails que j'aime bien. J'ai remis d'ailleurs 3 écrous zingués blancs comme à l'origine. Voilà, moi c'est des détails que j'aime bien soigner mes voitures. Alors le moteur lui a été refait il y a quelques années par Pierre Givre. Pierre Givre, je vous en ai déjà parlé parce que il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais vendu une voiture qui lui avait appartenu, qu'il avait mis au point avec un moteur 500 cm3 d'Agonet de Pontac. Une voiture absolument fantastique, un moteur très bien mis au point. Et c'est lui qui a refait le moteur de cette fourgonnette il y a quelques années. Elle est vraiment plaisante à conduire et on sent que Pierrot y a mis les mains, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau intérieur, depuis septembre 62, hein, on a le tableau de bord comme ça, avec le compteur triangulaire. On n'a plus le compteur ancien qui était là avec les essuie-glaces mécaniques, et un moteur d'essuie-glaces caché derrière la planche de bord en plastique. Pour le reste, ça reste assez simple. Le volant en fer, j'hésitais à le faire repeindre, et finalement je l'ai laissé comme ça, avec sa petite patine. Je me suis dit qu'il fallait quand même lui laisser un peu de charme à droite à gauche, si je ne pouvais pas tout refaire. Donc j'ai mis les sièges neufs, mais j'ai laissé la structure patiner, j'ai laissé le volant patiner. Les planchers sont neufs, voilà. Au moins, extérieurement, c'est une voiture avec de la patine, avec du charme, et en dessous, on sait qu'on a un truc très propre. En vitesse de pointe, vous pouvez espérer faire un petit 80-90. Vous avez pu le voir, cette voiture, elle marche pas mal. Et voilà, on reste sur des performances d'une autre époque, mais par rapport à la puissance de son moteur, cette voiture se débrouille bien. J'ai roulé avec des 18 chevaux qui étaient bien, bien plus lents. Cabossé là, mais la voiture est vraiment bien suspendue. J'ai refait les deux pots de suspension. Les frotteurs vont bien, il n'y a pas de jeu dans le train avant. Elle se comporte vraiment comme une 2 chevaux devrait se comporter. C'est vraiment très chouette. Hop là. Alors évidemment, sur ces vieilles 2 chevaux et les fourgonnettes en particulier, c'est quand même une boîte à sardines. Et donc le bruit résonne, voilà, c'est dur, il n'y a pas d'insonorisant, c'est de la tôle, c'est juste de la tôle. Les portes arrière elles vibrent, les portes avant aussi, les fenêtres. Voilà, c'est une 2 chevaux, une 2 chevaux camionnette. Et celle-ci va vraiment vraiment très bien, elle est très très plaisante à rouler. J'ai mis des sièges neufs là de achetés aux Pays-Bas, une marque qui s'appelle Citroën Pièces. Et ils font des garnitures très bien parce que la plupart des garnitures qu'on trouve en France, elles sont dures, elles sont pas souples, elles sont pas belles quoi. On est mal assis et tout. Celle-ci là j'ai mis des élastiques neufs de chez eux aussi. Et je déteste les élastiques neufs. Mais là je dois dire que je suis bien assis.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette voiture est en vente. Alors, elle est en vente au moment où je vais te faire cette vidéo. Une fois qu'elle sera montée, ça se trouve, elle sera vendue. En tout cas, si vous voulez en voir plus, allez sur le site internet www.garagedechevaux.fr pour voir. J'ai fait plus de 150 photos de cette voiture, en dessous, au-dessus, de tous les côtés. Donc, vous pouvez bien la détailler. Donc, même si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez la regarder pour le plaisir des yeux parce qu'elle est chouette. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Pensez à vous abonner. Pensez également à peut-être me suivre sur Instagram, @garagedechevaux. Voilà, c'est très simple. Et puis, merci beaucoup. J'espère encore une fois que j'ai pu vous apprendre des choses et que cette vidéo vous a plu. À bientôt, merci, au revoir. Alors évidemment, c'est bruyant, hein. Si vous cherchez une voiture silencieuse, c'est pas ça qu'il faut prendre.